Bienvenue chez moi et chez 2 209 517 autres Parisiens. C'est ma ville préférée. À part les quelques heures à voyager sur Internet. Là, c'est moi. Je m'appelle Marc Ferrari et j'ai 11 ans. C'est plutôt cool de porter le même nom qu'une super voiture de sport, même si c'est pas ma passion. Je m'intéresse à tout ce qui se rapporte à la technologie. Le monde informatique est mon monde à moi. N'étant pas accepté dans le monde réel. Marc ? Vous savez pourquoi ? Ça se voit, non ? Chérie, faut y aller. Faut aller à l'école. On va être en retard. Allez. Mais si je vous le dis clairement, j'ai peur que vous commenciez à me traiter comme ça. Allez, on y va. En fait, je m'appelle Marc Ferrari, j'ai 11 ans. Et je crois pas être un enfant comme les autres. Moi, je suis autiste. Tous les jours, on me rappelle que je suis différent. Les profs, les adultes, les élèves. Je me rends bien compte que leur comportement change quand ils me voient. Ou qu'ils me parlent. Il est autiste. Moi j'ai du mal à communiquer avec lui, il est très très attachant. Vous avez vu ? Ma mère me traite encore comme un bébé. Elle me croit incapable de me débrouiller seule. Et pourtant, et les profs, c'est pas mieux. Ils me parlent comme un débile profond. C'est comme un petit bébé qu'on a envie de protéger quelque part, vous voyez ? Mais je le considère différemment des autres, des autres enfants, vous voyez ? Alors, comment va-t-on aujourd'hui, mon petit Marc ? On est prêt à bien travailler ? Donc, les neurones sont reliés par des sortes de câbles électriques. Hein, et les câbles électriques, on les appelle les synapses. Alors, les synapses... Et donc, par exemple, il y a quelque chose d'intéressant parce que c'est comme un chef d'orchestre. Avant, l'autisme était considéré comme une affection psychologique et une maladie psychiatrique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je résumerai ça en un trouble neurologique. Enfin, apparemment. Plusieurs fois, j'ai entendu les médecins dire à ma mère que j'ai un niveau de conscience très élevé du monde qui m'entoure. Et d'après eux, une perception différente de la vie. Alors, je sais pas comment vous voyez la vie de votre côté,
Mais pour moi, chaque chose que je fais, que je vois, que je vis, est importante. Vivre le moment présent et faire les choses correctement. Sinon, vaut mieux pas les faire du tout. Les autres me trouvent bizarre. J'ai du mal à aller leur parler. De toute façon, qu'est-ce que je pourrais bien leur dire? Je m'intéresse pas aux mêmes choses qu'eux. Et vous savez ce que je trouve bizarre, moi? Que tout le monde exprime sans arrêt ses émotions. À quoi ça sert? En tout cas, ce qui se passe dans ma tête est top secret. Ça regarde que moi. Ce sont mes sentiments, mes pensées, ils m'appartiennent. Mais j'avoue que ça m'arrive aussi de faire des crises que je peux pas arrêter. Souvent, quand on me force à faire des choses que je veux pas, qu'on me dise des trucs qui me plaisent pas, ou alors qu'on perturbe mes habitudes sans raison. Je déteste vraiment ça. D'un autre côté, je peux réaliser ou reproduire des choses en si peu de temps que la plupart des gens ne peuvent pas. Et je vous raconte même pas ce que je peux faire avec un ordinateur. Si je veux, je peux m'introduire dans n'importe quel ordinateur du monde. Mais attention, je ne veux pas non plus vous faire croire que je suis Einstein ou que mon cerveau est surdéveloppé. C'est juste que... quand je suis concentrée sur quelque chose, plus rien d'autre compte. Et surtout quand ça me passionne. Quand je m'ennuie, je rentre dans les dossiers des services secrets. J'adore. Et peu importe le pays. C'est comme si j'étais un agent secret qui espionnait d'autres agents secrets. Bon, je sais que j'ai pas vraiment le droit de le faire, mais... d'autres personnes le font aussi. Enfin, la plupart essayent encore. Moi, je connais par exemple le dossier qui renferme toutes les découvertes de la zone 51. Et c'est vraiment très intéressant. Sinon, les projets spéciaux et internationaux sont généralement mes préférés parce que c'est là où il y a le plus de... Hey ! Mais... c'est quoi ça? Oui. Ouais, bah non, ça marche toujours pas. Maman, laissez-moi. Attends. Maman. S'il vous plaît, un instant, hein. Merci. Marc, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois bien que je suis au téléphone. J'étais sur l'ordinateur et j'ai vu que les services secrets sont en train de tuer des gens. Ils remplacent beaucoup de vrais médicaments
par du sucre et pire encore par des molécules empoisonnantes. Ils sont en train de se débarrasser des faibles. Ils les mettent dans les médicaments que prennent les pauvres, les vieux et les handicapés. Ah. Oh, Marc, s'il te plaît. Oui, excusez-moi. Mais si, les services secrets tuent. Oh, tu m'écoutes pas. Bon, excusez-moi, encore un instant, s'il vous plaît. Ah, il n'y a plus de vrais médicaments, non. Ça suffit. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu te rends compte de ce que tu dis? Non mais tu veux t'attirer des problèmes, quoi? Mais combien de fois je t'ai dit de ne pas t'introduire sur ces sites? Tu n'as pas le droit. Oui, mais maman... Non, Marc, qu'est-ce que je viens de dire? Stop ou je te confisque ton ordinateur, t'as compris? Près d'un enfant sur 1000 est autiste. 650 millions sont touchés par un handicap dans le monde. Sans compter le nombre de personnes âgées, de malades et de pauvres qu'ils disent être un poids pour l'avenir de la société. Toutes ces personnes qui ne rentrent pas dans leur fichue catégorie vont disparaître. Et j'en fais partie. Mais je les laisserai pas faire. Il faut que je prévienne tout le monde. Yes, I need the director of the program to be in room 311 now. Yes, this is a priority. Files and programs of special humanitarian project 622 were stolen. I have found a failure in the system caused by an intrusion. And you can explain to me how this is possible? Well, we have the most secure system that exists, but nothing is 100% unbreakable. There will always be loopholes. It must be a black hat hacker, sir. Well, find him now. Yes, sir. He knows everything about the project. He can definitely do anything he wants. This guy is a real danger to us and to society. If ever those documents are revealed, we're gonna be in deep shit. Je sais. Non, je te l'ai dit déjà. Allô. Putain, il n'y a jamais de connexion dans cette maison. Marc, ils vont te localiser. Marc, combien de fois je t'ai dit de ne pas toucher au disjoncteur, tu vas finir par le casser.
That's it. I found him, sir. He lives in France. He's in Paris now. Who is he? Tu crois que je suis bête? Trop bête et pas normale, comme tout le monde pense. Mais bien sûr que non. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête! Tu sais très bien que je suis différent. Mais, mon chéri, on est tous différents. Et heureusement... Oui, mais moi, je suis pas normale. Pas normale. Pas comme les autres enfants de mon âge. Et c'est pour ça que j'ai pas de copain. Pas un seul copain. Je suis bizarre, mais j'arrive pas à faire autrement. Non, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont seuls, tu sais. Arrête! It's a boy. Boy? Are you kidding me? What the hell? How did it do that little brat? Is Nadenor? J'ai besoin de te demander une chose, maman. Est-ce que je suis un monstre, maman? Mais mon cœur, mais enfin, tu es tout sauf un monstre. Tu es un garçon pas comme les autres. C'est ce que les gentils disent pour parler des débiles sans les blesser. Non, écoute-moi. Tu es un garçon exceptionnel et très intelligent. Tu as un avenir prometteur, fais-moi confiance. Et je suis sûre que tu vas réaliser de belles choses, Marc. Parce que tu as un grand cœur. Faut juste que tu te rappelles de deux choses importantes. La première, sers-toi de ton autisme comme une force et non comme un handicap sur lequel tout le monde te plaint, d'accord? Et la deuxième? Je t'aime plus que tout au monde. Allez, maintenant, tu vas jouer et t'arrêtes de faire des bêtises, d'accord? Not a need. Well, you take care of his computer, and I send right now man on the spot to see it. But he's just a kid, sir, and disabled, by the way. What do you want me to do? Don't so children disabled not, you know the procedure. We have a bomb defuser. If he could infiltrate our base with that problem, what else do you think you can do, your little son of retarded? Ils me l'ont fichu en l'air. Ils savent où je suis maintenant. Bonjour, IDFITV, la population est en danger, défaut médical. Allô. Mina Ferrari. Oui. Ferrari, 11 ans, né à Paris dans le 13e arrondissement le 5 juin 2008, résident avec sa mère Nina Ferrari dans le 15e arrondissement. C'est bien ça. On peut rentrer deux minutes. Eh bien, en fait... Merci beaucoup. Où est sa chambre? Il n'est pas là, donc je vous propose de repasser plus tard. Regarde là. Non, vous n'avez aucun droit! C'est une violation de domicile! Je ne me
souviens pas avoir vu un mandat de perquisition, donc à moins que je me trompe, je vous demande de sortir de chez moi immédiatement. Send this message to a man. Operation Mouse Hunting is launched. He puts a car in front of the house of the kid, just in case he comes back. And don't lose sight of the mother. But don't touch her, understood? You still need her. At least as long as the boy is not neutralized. Now, you move your ass. We have no time left.
Look who just woke up. Ravi de te rencontrer, Marc. Director? Get out, for Christ's sake! I ordered nobody to get in! The one who break this rule, he should have made his will before. No disturbing at all, you got it? Sorry, sir. Tout va bien. Dis-moi, t'es un vrai petit faussard, toi, hein? Allez, détends-toi. Personne va te faire de mal. Je veux juste discuter un peu avec toi. Qui êtes-vous? Une personne plutôt fâchée contre toi, vu que t'as essayé de lui piquer ses affaires. Vous le méritez. Vous êtes méchant. Non, c'est toi le méchant, Marc. Tu as volé des dossiers ultra confidentiels qui appartiennent à des services secrets. Tu sais que c'est très grave, ça, hein? Allez, on arrête les bêtises maintenant. Hein? T'es un garçon brillant. J'imagine que tu as fait des copies. Ils sont où, les dossiers? Tu vas nous les rendre, oui? J'ai rien. Arrête de mentir. T'es vraiment inconscient. Dans ton cas, je peux comprendre, mais... Je te conseille de me dire où sont les dossiers. Sinon, je vais vraiment m'énerver. Vous avez détruit mon ordinateur. C'est vrai. Et crois-moi, j'en suis tout attristé. Dis-moi, Marc, tu t'entends bien avec ta mère? Maman? Où elle est? T'inquiète pas, elle est en sécurité. En tout cas pour l'instant. Tout ça, ça va dépendre de toi. Tu ne voudrais pas qu'elle ait des problèmes par ta faute, hein? Je veux la voir! Et moi, je veux les dossiers. En échange? Je veux maman! Bordel, Marc, on va la tuer, ta mère! Si tu ne lui donnes pas ces putains de dossiers, tu comprends ça? Elle va mourir à cause de toi! Non! Alors obéis! C'est vrai. J'ai une preuve de l'existence de ce dossier. Ben, nous y voilà. Alléluia. Alors, j'attends. Je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Parce qu'elle est là-dedans. Et je vous préviens, vous avez pas intérêt à faire de mal à ma mère, car j'ai une bonne mémoire visuelle. Et je vous laisse deviner de quoi je me rappelle. À quoi sert l'avancée de la médecine si c'est pas pour sauver des gens? L'avancée de la médecine. L'avancée de la médecine, ça sert pas à sauver l'humanité, mais à la tuer à petit feu. La surpopulation, ça te parle? Avec les naissances incontrôlées, et les vieux qui nous coûtent cher en s'accrochant à la vie de plus en plus longtemps, rien que pour nous emmerder. Et tu sais, le pire, c'est les gens débiles comme toi qui ont besoin d'assistance en permanence. Sans nous, vous n'êtes rien. C'est faux! Oui. Alors dis-moi, qu'est-ce que vous avez à nous offrir, à part le fait de nous faire perdre du temps et de l'argent? J'ai compris. C'est bien. Je vous fais peur.
Sans l'aide de personne, j'ai défié les services secrets pour une cause juste. Vous avez peur d'un handicapé bête et incapable. Mais vous savez quoi? Vous avez raison. Tu as voulu jouer dans la cour des grands, et rien que pour ça, je t'admire, Marc. Très sincèrement. Mais quand on veut jouer au héros dans la vraie vie, on en paye le prix. Adieu, Marc. Je m'appelle Marc Ferrari, j'ai 11 ans et je ne suis vraiment pas un enfant comme les autres. Parce que j'étais considérée comme un poids mort et devenue une menace pour l'avenir du monde. Je faisais tout simplement partie d'un programme à éliminer qui venait seulement de commencer. Il pensait m'avoir eu. Mais j'ai bien gardé une preuve. Vous raconter mon histoire ne changerait pas le départ. Ils sont tous contre moi, ils ne me comprennent pas. Faire ses preuves n'est pas évident, mais la force en moi me guidera. Faut y aller, faut assurer.